Alors on commence en marchant dans une rivière sauvage, j'aurais tendance à dire. Mais tout simplement pour arriver dans un urbex qui est juste phénoménal, énorme, gigantesque. Voilà, donc un nouveau vlog, une nouvelle aventure dans un décor juste fabuleux. On a déjà des bruits qui s'offrent à moi qui sont super sympas. Voilà, clairement, l'eau de pluie voilà, qui a fait son chemin jusque là. C'est assez marrant. Donc voilà, je vais explorer cet univers qui est clairement, mais clairement énorme, énorme. C'est un urbex que j'avais déjà fait précédemment. Et en fait, je suis vraiment là pour refaire des images parce que en fait, suivant la luminosité, suivant le climat, eh bien, les choses peuvent changer à l'intérieur des lieux et notamment de celui-là. Et là, vraiment, vraiment, ça reste un univers super riche à explorer. Par contre, hyper, hyper dangereux. Donc je vais faire quand même très attention. Mais en tout cas, dans ce vlog, dans cette nouvelle aventure, je vais aussi vous permettre de gagner quelque chose parce que ça va être mon premier jeu concours en partenariat avec un produit que j'ai pu découvrir qui est juste génial, qui pourrait être amené clairement à vous sauver la vie. J'espère pas être amené à utiliser ce produit que je porte actuellement sur moi ici dans ce lieu aujourd'hui. Mais en tout cas, si un jour je perds connaissance, eh bien clairement, ça pourra grandement aider les secours à me sortir d'une mauvaise passe. En tout cas, je vous en parle un petit peu plus tard. Là déjà, on va aller dans l'exploration et dans la chasse à l'image. Je vais commencer à monter un petit peu dans les étages, à regarder ce que je peux y trouver. Mais déjà, si vous regardez vraiment autour de moi, bah, on a des choses super intéressantes. Voilà, on a des perspectives très intéressantes en photo d'architecture qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est ça vraiment l'avantage de ce lieu, en plus de son côté un petit peu détruit. Eh bien, c'est vraiment toutes les perspectives qu'il offre. Là, on a un super grand couloir qui a l'air juste génialissime, que je vais certainement emprunter tout à l'heure. Mais là, avant de parcourir le reste de ce bâtiment, je vais aller un petit peu à l'étage et voir ce qu'on peut y trouver. Je sais que dans mon souvenir, la pièce du haut est intéressante, surtout avec la lumière qu'on a. Je vais peut-être pouvoir faire une succession de photos avec des colonnes en enfilade. Et une belle lumière, voilà, pour contraster tout ça. Et c'est exactement ça que j'avais en tête dans mon souvenir. Voilà, donc une belle pièce. Voilà. Toujours regarder où on met ses pieds. Mais là, clairement, voilà, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de trouver mon angle. Déjà, la chose aussi qui peut être très intéressante, c'est de jouer avec ce type de choses. C'est-à-dire, voilà, tout ce que vraiment la lumière va nous projeter en ombre. Parce que là, pareil, c'est une plus-value. On a vraiment un univers qui est très riche au niveau visuel. Il suffit juste de bien regarder, de bien se placer pour faire ressortir, on va dire, sa beauté. Parce que c'est assez particulier. On est dans un lieu complètement détruit. Et pourtant, je dirais, il y a une certaine beauté. Hauteur quand même. Bien, je vais continuer mon exploration, on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver un petit peu plus loin. On a une structure qui s'offre à nous là juste devant qui sont phénoménales et là par contre et ben là je vais faire demi-tour. J'aurais tendance à dire de malade. Par contre, vraiment, la prudence. Ah, je vais essayer de me faire une photo de cette perspective.
cette structure, elle est juste immense. Je vais faire attention à mon matériel. Je vais travailler, on va dire doucement, mais sûrement, pour être relativement efficace. Et au moins, comme ça, on va pouvoir logiquement faire une belle photo. Et voilà, alors c'est un temps d'installation un petit peu long, mais quoi qu'il arrive, ça a logiquement porté ses fruits. J'ai nivelé mon appareil, j'ai fait ma mise au point. Voilà, je suis à F8, je suis à 1/8. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un trépied. Et aussi, je suis à ISO 800. Et je pense que grâce à ça, je vais pouvoir faire une belle photo panoramique. Je vais la composer de trois bandes, une normale, centrale, une en bas et une en haut. Et logiquement, ça va permettre vraiment d'avoir une perception de ce que moi-même je suis en train de ressentir et de voir. Donc ça demande un petit peu de temps, mais au moins on est sûr de revenir à la maison, on va dire, avec sa matière pour pouvoir l'exploiter. Allez, on est parti. Vraiment des volumes extraordinaires. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Bon, on continue l'exploration. Je vais passer par ce petit tunnel que j'avais vu tout à l'heure, qui m'a l'air fort sympathique, qui potentiellement va me ramener justement de l'autre côté de ce bâtiment. Hop. Tout simplement parce que on a des jeux de lumière et d'ombre qui sont super sympas. On a vraiment le soleil qui vient de la gauche. Et là, ça met en avant tous ces profils d'entonnoirs qui sont en train de prendre la lumière. En plus, on a une bande lumineuse un petit peu au fond, ce qui va permettre de jouer un petit peu, à faire ressortir les ombres. Donc installation. Installation, parce que là, ça vaut potentiellement la peine. S'offre à nous. Tout simplement, là je suis vraiment passé sur l'autre partie du bâtiment, en sachant qu'il y a quand même une troisième partie qui est celle qu'on voit juste là. Mais elle, je me la réserve un petit peu pour le coucher de soleil, avec un peu d'espoir, genre avec une belle couleur, une belle lumière, de beaux nuages, et ça pourra permettre de faire quelque chose de super intéressant. Alors je vais essayer de monter pour prendre en photo cette structure qui est juste, juste phénoménale. Mais avant, j'ai peut-être une autre photo qui s'offre à moi. Alors déjà, j'ai malgré tout la possibilité de jouer avec la perspective de l'ascenseur, de la cage d'ascenseur, voilà, qui est toujours intéressante en photo. Donc là, peut-être me positionner un petit peu plus haut dans l'escalier et voir ça, soit au 50 mm, soit au 24 mm pour le coup. Voilà, ça se construit. D'où l'avantage de faire son tour de repérage. Là, on a vraiment une perspective sur laquelle je ne m'aventurerai pas, clairement. C'est certainement l'ancienne passerelle qui permettait d'arriver à cette espèce de gros entonnoir. Mais là, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est la perspective. Voilà, cette perspective des traverses, les unes après les autres, le vide qu'on ressent, le côté bois, on a toute la structure en arrière-plan qui est splendide. Donc là, je pense que je vais faire une prise de vue. On n'a pas forcément une super lumière, mais c'est pas grave, il suffit d'un rien, elle va revenir. Mais vraiment, là, c'est juste extraordinaire. Voilà, l'avantage que j'ai, c'est que les nuages reviennent. Et là, pour le coucher de soleil, ça pourrait être très sympa, puisque moi, mon objectif, en fait,
c'est de me retrouver sur le toit qu'il y a juste là-bas. Voilà, et qui va me permettre voilà, d'avoir une vue d'ensemble, enfin une vue d'ensemble, une vue sur la masse principale de ce bâtiment, et d'avoir, j'espère, les reflets de soleil sur les quelques vitres qui restent, et donc d'avoir ce contraste entre le côté un petit peu brut, abîmé, esquinté, vieilli, délabré, et potentiellement un très beau ciel derrière pour vraiment mettre en exergue, on va dire, ce sujet. Et avec, je l'espère, bah, des restes de flaques d'eau. Là, il y en a quelques-unes, donc j'ai un bon espoir d'en trouver sur le toit. Donc des restes de flaques d'eau qui me permettraient voilà, d'accentuer en plus volume en jouant sur un reflet. Et ça, ça serait la cerise sur le gâteau. Voilà, mais ça, c'est pour plus tard. Alors ce que j'aime moi dans cette prise de vue là, c'est tout simplement la variété des couleurs qu'on peut y trouver. On a le côté un petit peu ocre rouge qui est très sympa, qui est le long de la balustrade. On a les verts voilà, de la végétation, en tout cas de la mousse, de l'humidité sur les barres en ferraille. On a les couleurs des tags, on a le rappel du rouge en brique rouge au fond. On a le côté gris vraiment du béton armé. Et on a le côté rouillé vraiment de l'acier, ça donne des contrastes splendides. Et vraiment, c'est juste génial. Donc là, je suis resté à ISO 800. Voilà, c'est pas dans mes habitudes, mais comme je vous l'ai dit sur ce type de sujet, le bruit n'est pas un problème. Au contraire, ça peut même rajouter une plus-value. Et j'ai cadré de telle façon à éliminer le ciel qu'on voit, voilà, qui aurait amené une touche lumineuse un petit peu cramée, qui n'aurait pas été intéressante et qui n'aurait rien apporté de particulier à cette image. Donc j'ai vraiment cadré pour l'éliminer et l'avantage c'est que j'ai toute cette perspective et toutes les couleurs vraiment de cette balustrade et ça c'est juste génial. J'ai fait une photo verticale, alors j'adore les photos horizontales, j'adore le 16/9, j'adore les panoramas horizontaux, mais là pour le coup par rapport à la perspective c'est vraiment bien de l'avoir. C'est juste génial. J'ai quand même fait une photo horizontale par principe, mais là je pense que vraiment le truc c'est la photo verticale. Ça pour valoriser l'endroit. J'aurais tendance à repartir sur une photo panoramique, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise sur les plaques en ferraille quand même, je tiens à le dire. Et en plus, je rappelle que je suis tout seul. Et ça, c'est quand même pas forcément une bonne chose. Donc, autant y aller prudemment. Je vais voir s'il n'y a pas la perspective à droite qui est intéressante. Hop. Alors là, il faut que je fasse gaffe, il n'y a plus de barrière. C'est énorme, c'est énorme. Alors dans le principe, c'est un urbex absolument génial. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose en plus, c'est de gagner un accessoire que je porte actuellement à mon poignet gauche. Ça s'appelle le bracelet rouge. Et grosso modo, c'est un bracelet qui contient un QR code. En scannant ce QR code, les secours vont être amenés à découvrir les informations essentielles que vous aurez décidé de leur donner pour prendre en charge votre personne en cas de problème. Par exemple, si vous tombez inconscient dans la rue, un malaise, un accident, on ne sait quoi, eh bien en scannant ça, ils vont tomber sur les informations qui vont leur permettre une prise en charge optimale de votre personne et potentiellement gagner des minutes et des secondes essentielles pour votre survie. Alors pour jouer, ça va être excessivement simple. Il vous suffira d'attendre la fin de cette vidéo et à la fin, justement, je vous présenterai à l'écran un bracelet rouge avec son QR code. À partir de là, vous n'aurez qu'à scanner ce QR code et vous allez automatiquement tomber sur la fiche de renseignement de ce bracelet-là. J'ai légèrement dévié la fonction première de cette fiche en vous informant de la méthodologie à suivre pour participer à ce jeu concours et potentiellement donc gagner un des bracelets qui pourra vous permettre, j'espère, peut-être un jour de vous sauver la vie. Alors la fameuse flaque d'eau, hop. Par contre, elle a un petit peu réduit. Elle est un petit peu trouble parce qu'il y a un petit peu de vent et ça permettrait quand même d'avoir tout ce bâtiment. Pour le principe, je vais m'installer, je vais faire cette photo là et puis de toute façon après bah, je vais attendre le coucher de soleil. Ce que j'espère sur ce coucher de soleil là, voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche,
c'est que celui-ci prenne des couleurs qui permettraient voilà, de venir un petit peu colorer les fenêtres, en tout cas les bouts de carreaux qui restent sur les fenêtres qui sont juste là-bas. Et ça, ça serait top parce que ça permettrait d'avoir une matière un petit peu jaune, un petit peu chaude dans un univers qui va devenir assez gris, assez terne. Ouais. Et alors, le summum, ça serait en plus d'avoir un ciel qui s'embrase derrière. Et là, ça ferait un contraste juste exceptionnel. Mais pour l'instant, je vais essayer de faire ma photo en pose longue. Je pense que ça va être une pose d'à peu près 30 secondes à 3-4 minutes pour réussir à avoir vraiment ce flouté de nuages. L'avantage, c'est qu'il se déplace correctement, donc je pars confiant. Allez, c'est parti, installation. Alors, une petite explication de cadrage. Ah, je me suis mis excessivement bas, voire très 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 bas. Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une belle composition et même j'ai avancé, on va dire, mon appareil photo dans la flaque d'eau pour vraiment profiter de ce reflet. J'ai décalé mon cadrage tout simplement parce que en post-production, j'ai anticipé le fait que j'allais enlever des éléments parasites qui n'avaient rien à apporter à l'image et notamment, en fait, ce que vous pouvez voir là, c'est-à-dire la rambarde. Et ce bout de rambarde là, voilà, qui donne dans le vide. J'aurais eu la rambarde entièrement, je l'aurais intégrée entièrement, mais là, vu qu'elle est cassée, ça nuit un petit peu à la lecture de mon image. Donc en fait, j'ai fait un cadrage qui permet en fait de placer ces deux morceaux de rambarde en dehors du bâtiment. Ils sont placés sur la verdure ou sur le ciel. Et grosso modo, grâce à ça, je sais qu'en post-production, notamment dans Photoshop, je vais pouvoir retoucher mon image et éliminer très facilement ce type d'éléments parasites. Voilà, donc là, je vais faire ma prise de vue. Je me suis mis à ISO 50, je suis au 1/8 f11. C'est une prise de vue, on va dire, de cadrage. Et ensuite, je vais refaire mon calcul. Je vais positionner mon filtre ND. Et je vais pouvoir faire la pose longue et je me dis là, je devrais avoir un beau ciel bien avec des belles traînées de nuages. Et ça devrait être top. Mais déjà là, je suis en train de regarder, j'ai un beau reflet, c'est royal. Donc j'installe mon filtre ND et puis je multiplie grandement mon temps d'exposition. Et je pense que je vais être autour d'une bonne minute. Je vais regarder d'abord le mouvement des nuages pour un petit peu voir le temps qu'il leur faudrait pour couvrir la zone que je souhaite. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que j'aurai positionné mon filtre ND, eh bien, je vais ajuster mes ISO et mon diaphragme pour pouvoir vraiment tomber sur le délai que je souhaite. J'attends, je suis fin prêt. Bon, je commence un petit peu à avoir froid, mais j'ai bon espoir parce que grosso modo, à gauche, là-bas, on a un village avec une église et un bâtiment qui est assez atypique, mais qui est assez joli. Mais surtout, on a une luminosité intéressante qui me permettrait d'avoir un petit peu plus d'espoir sur le fait d'avoir le soleil qui viendrait illuminer la façade de ce bâtiment-là. Au niveau de mon réglage, j'ai mon mini trépied, mon appareil photo qui sont fin prêts. Voilà. Par contre, son positionnement ne me permettrait pas forcément de capturer les éventuels reflets du soleil sur les baies vitrées qu'il y a derrière en fait, la cage d'escalier. Et donc il y a de fortes chances que je sois amené à me déplacer voilà, le long de ce rebord avec mon trépied. Voilà, il est fin prêt. Donc maintenant c'est juste de l'attente. Ça commence à prendre tournure. De toute façon, malgré tout, les couleurs, les contrastes sont superbes. Donc clairement, je suis content d'avoir attendu aussi longtemps. Je vais vous positionner ici et moi je vais faire mes prises de vue. Voilà, une fois de plus, vous êtes dans le bain avec moi. Voilà, toc. Super bien. Je vais continuer à jouer avec la perspective qui s'offre à moi, comme je vous l'avais dit, avec la barrière voilà, qui est juste là. Super sympa. Alors la pluie repointe son nez, mais c'est pas grave, moi j'ai fait mes clichés, je suis très content de ce que j'ai pu faire. J'espère en tout cas que vous avez pu apprécier ce vlog et ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça permettra vraiment de titiller l'algorithme et de me faire ressortir dans les moteurs de recherche. Voilà, vous allez avoir la possibilité de participer à mon jeu concours et je l'espère gagner un bracelet rouge. En tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de merveilleuses aventures. À très bientôt, bye bye.